Sika est leader dans la chimie de la construction et de l'industrie. Fier d'avoir la réputation d'une production fiable et de qualité, Sika s'engage à développer des solutions durables afin de répondre efficacement aux défis mondiaux, tout en affectant le moins de ressources possible. Acteurs du progrès social et économique, nous soutenons des projets sociétaux. Dans cette perspective, nous avons ouvert un atelier de personnalisation. L'objectif de cet atelier est d'intégrer pleinement des personnes en situation de handicap, ce qui leur permet de travailler dans un environnement professionnel et dynamique. L'histoire commence en 2005 lorsque Sika décide de collaborer avec l'ESAT, l'établissement et service d'aide par le travail de la Brèche. L'atelier de personnalisation dirigé par Olivier Renaud accueille des personnes de l'ESAT en reprise d'activité. L'atelier permet l'adaptation des produits dits standards en produits customisés pour différents marchés de Sika et cela représente environ 5% du chiffre d'affaires de la compagnie. Les postes sont adaptés aux capacités des travailleurs et les missions qui leur sont confiées sont aussi riches que variées. Nous les accueillons en permanence, nous envoyons notre planning d'activité à l'ESAT et en fonction de la cadence à tenir, entre une dizaine et une vingtaine de personnes nous rejoignent. Mon travail consiste à graffer des box et ensuite mettre des palettes sur des rouleaux. Je me sens confiant chez Sika, j'aime bien le travail extérieur, j'ai un travail qui me convient. Jean-Michel, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste votre rôle de moniteur au sein de cet atelier ? Alors, mon rôle de moniteur, c'est de faire en sorte que les usagers se sentent le mieux possible sur leur lieu de travail. Ensuite, c'est aussi faire le lien entre les usagers et le responsable de l'atelier de personnalisation. Je veille aussi à la sécurité des usagers. L'aspect sociétal est prédominant dans cette démarche. Avec cet atelier, Sika illustre qu'il est possible de faire cohabiter des salariés tout en prenant en compte leur handicap mental ou physique. C'est la première fois qu'une entreprise intègre sur son site des travailleurs handicapés d'un ESAT. Sika collabore avec l'ESAT depuis plus de 10 ans et se définit comme un tremplin pour ses salariés qui ont la possibilité de se réinsérer dans la vie professionnelle. Respect, entraide, écoute et mixité sont les grandes valeurs de ce projet sociétal. D'ailleurs, le 24 septembre 2015, Sika s'est vu remettre le prix d'intégration locale des trophées Responsible Care par l'Union des industries chimiques de Normandie. Recevoir ce trophée est une grande fierté pour Sika, qui espère inspirer d'autres entreprises à accueillir des travailleurs handicapés.